أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد. Donc avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, vous invitez à mettre un j'aime à la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc avant de vous lire cet article, pour une petite introduction. Donc à savoir que l'intelligence artificielle, d'accord, l'istina' al-dhaki, est en vérité liée à l'antéchrist, au Dajjal, à travers la dabba. La dabba, c'est cet ordinateur quantique, numérique pour faire simple, d'accord. Ça peut être aussi, il peut être lié à un robot par exemple. Et donc elle est liée à la data, elle est liée aux algorithmes, et elle est liée aussi à la puissance de calcul, et ainsi de suite. Il y a l'énergie aussi, parce qu'il faut de l'énergie. Pour tout ça, il y a aussi un système de refroidissement très 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 puissant. Et donc l'intelligence artificielle est l'arme que va utiliser donc le Dajjal, c'est ce que je disais déjà, je pense, dans les années 90. Et donc c'est comme ça que le Dajjal va réussir à tromper donc les personnes à travers la technologie pour essayer de copier Allah Azza wa Jal, d'accord, d'essayer de s'accaparer les spécificités d'Allah Azza wa Jal en se réclamant lui-même Dieu, comme on le sait, où il dira adorez-moi, ainsi de suite, ceux qui l'adorent, ils auront une forme de subsistance, ceux qui ne l'adoreront pas vont souffrir, ainsi de suite, en tout cas d'apparence, mais en réalité, intérieurement, ce sera le contraire. C'est pour ça que le prophète dit que son enfer, c'est en fait un paradis, et jetez-vous dans son enfer, et son paradis, c'est en réalité un enfer, d'accord. Donc on va voir un article et vous allez voir quelle sera cette tentation, pourquoi le prophète dit qu'il n'y a pas une plus grande subversion depuis Adam jusqu'au jour dernier, d'accord, que celle de l'antéchrist. Vous allez comprendre pourquoi. Donc dans cet article il dit, rien ni personne n'est capable de déterminer avec précision quand vous allez mourir à part Allah Azza wa Jal. Dans le destin, dans Ummul Kitab, tout le destin est déjà décrété 50 000 ans avant la création, comme vous le savez, avec le Qalam qui a tout inscrit. Pourtant, une équipe de chercheurs danois a présenté récemment à Live2Vec un algorithme basé sur l'analyse de données de santé de millions de personnes capable de prédire la mort avec une précision de près de 80%. Ça aussi, c'est important. La prudence est pourtant de rigueur. Donc, la clé ici, il y a une clé qui est importante, quelque chose important, qui est important de comprendre. Quand vous avez compris ceci, vous ne tomberez pas dans le piège, vous ne tomberez pas dans la subversion. C'est que même si à travers l'intelligence, à travers la technologie, l'intelligence ou à travers les shayatines, ils arrivent à se rapprocher de quelque chose qui serait la spécificité d'Allah Azza wa Jal, comme Dieu dans le Coran dit, il sait ce qu'il y a dans les matrices, eux aujourd'hui avec la science, ainsi, ils peuvent le savoir aussi. Donc ici, ils arrivent à peu près à savoir si quelqu'un va mourir à 80% grâce à des algorithmes, et ça pourrait augmenter dans le futur. Ils arrivent aujourd'hui avec des devins, ainsi de suite, même à travers des algorithmes, à prédire certains événements, d'accord. Alors qu'il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui ne connaît le futur et l'invisible. Et il faut savoir, donc, la clé c'est quoi? C'est de savoir que il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui est capable de savoir tout ceci avec exactitude. D'accord? Et je peux vous donner un exemple de ceci. Lorsque le prophète était caché dans la palmeraie avec les compagnons et qu'il est en train de surveiller Ibn Sayyad, qui est la personnification djinnique du Dajjal. Certains disent que ce n'est pas le Dajjal, c'est juste quelqu'un qui était possédé, qui était en contact avec les shayatines. Le prophète a dit: j'ai mis un mot dans ma tête, d'accord. Donc personne n'est censé lire les pensées, d'accord. Personne n'est censé savoir ce qu'il y a dans ta tête.
Et donc le prophète savait que le Dajjal pourrait avoir la capacité de lire dans les pensées et lui a dit, dis-moi le mot que j'ai dans ma tête. Donc c'était Dukhan. Dukhan, Del, le Kha, le Alif et le Noun. Donc il y a quatre lettres. Et Ibn Sayyad a dit Dukh, à savoir que les deux premiers mots, les deux premières lettres. Donc la moitié du mot. Donc on peut dire 50%. D'accord? Et là, le prophète lui a dit, pars, tu ne mérites pas ton rang, ainsi de suite. D'accord? Donc en fait, t'es pas celui qui pourrait être le Dajjal. S'il aurait dit Doha, il aurait dit trois lettres, ou Dukhan, quatre lettres, là, le prophète aurait peut-être dit, tu es l'antéchrist. Pourquoi? Parce qu'Allah Azzawajal a donné certains outils à l'antéchrist, comme il l'a donné à Isa alayhi salam. Isa alayhi salam pour le bien, pour la véracité, pour les miracles, et le Dajjal pour le mal. Mais tout ceci dans l'objectif de l'examen, à savoir de tester les gens et de savoir qui va suivre la voie droite, qui va suivre la fausse voie, exactement comme le fait Shaitan. Allah a donné des outils à Satan et lui a dit, pars-toi et tes chevaux équidés, et tes chevaux étaient fantassins, équidés, et va essayer de les égarer par ta voix, sûrement la musique ou les médias. D'accord? Donc, ce qui prouve que Allah Azzawajal permet au mal d'avoir des outils afin justement de tester les humains. D'accord? Donc ça, il faut bien le comprendre. Mais il n'y a qu'Allah Azzawajal qui est capable de déterminer que ce soit l'avenir, que ce soit l'invisible, que ce soit la mort, ainsi de suite, avec exactitude, avec une précision sans faille. Allah Azzawajal a écrit tout le destin et connaît toute chose, tout ce qui est caché. D'accord? Tandis que ni la technologie, ni le DG, ainsi de suite, ne savent, n'ont ce pouvoir-là. D'accord? Donc c'est, vous avez d'une part un pouvoir absolu, d'autre part un pouvoir qui est en fait conditionné dans le temps, qui est, comme par exemple, Allah Azzawajal permettra au Dajjal de faire revivre une personne, c'est quand même une des spécificités d'Allah Azzawajal, de faire vivre et de faire mourir. Mais là, c'est conditionné dans le temps et c'est vraiment restreint. D'accord? Mais c'est juste à titre de fitna, afin d'éprouver les musulmans ou les personnages, les humains, et de savoir qui va s'attacher à Allah Azzawajal et qui va tomber dans le piège. Quand vous avez compris ça vous fait pas flipper. Et vous ne tomberez pas dans le piège. Si vous ne comprenez pas cette clé-là dans votre cerveau, toutes ces avancées technologiques qui sont liées à des spécificités d'Allah Azzawajal vous pousseront à la mécréance. C'est pour ça que le prophète a dit, ne se rapproche de quelqu'un du Dajjal pensant être croyant sans qu'il devienne mécréant tellement que le Dajjal va lui jeter des ambiguïtés. Et ça, c'est une ambiguïté. Quand on commence à dire qu'ils sont capables de savoir qui va mourir à 80% et ça va augmenter, ah, tu te dis, attends, ça fait flipper. Vous voyez ce que je veux dire? S'ils sont capables demain d'accroître l'espérance de vie jusqu'à 1000 ans, et à mon avis c'est la limite, parce que des humains ont déjà vécu aux environs de 1000 ans et pas plus, c'est pas l'éternité. D'accord? C'est pas l'éternité. Il faut bien faire la part des choses. Mais ça peut être une subversion. Et pousser les gens à douter. Tu vois quelqu'un qui vit 1000 ans, tu te dis, attends, mais quand c'est qu'il va mourir lui? Et tu le vois vivre 1, 2 siècles, 3 siècles, 4 siècles, et ça peut te pousser, surtout si tu rends ton vivant, tu vois toujours vivant, à avoir de grands doutes. Mais il ne faut pas tomber dans le piège. Donc l'étude parue en décembre dernier dans la revue Nature Computational Science pourrait ouvrir de nouvelles perspectives dans le domaine de la santé publique et la gestion des risques individuels. Toutefois, un examen plus approfondi révèle un tableau bien plus nuancé où la prudence est de mise face aux promesses de l'intelligence artificielle. Une étude novatrice, mais pas sans limitation. Le travail réalisé par l'équipe de l'Université technique du Danemark repose sur une analyse détaillée des données de santé de 6 millions de Danois. Donc, il faut bien comprendre que là, les données de santé de 6 millions de Danois, c'est la data. La data, c'est ce qui nourrit la bête. C'est la nourriture de la dabba. Ces données recouvrent de nombreuses informations, allant des historiques médicaux
aux données socio-économiques. En fait, toutes les données que vous leur donnez, qu'ils accumulent avec le temps, leur permettent justement d'avoir ces capacités et de pouvoir pervertir une partie de l'humanité. En se concentrant sur un groupe spécifique âgé de 35 à 65, les chercheurs ont tenté de cerner les facteurs influençant l'espérance de vie, ce qui aboutit à la création de Life de Veeck. Bien savoir qu'il y a des personnes qui meurent sans raison, d'accord? C'est ce qu'on appelle la mort tafoja, la mort instantanée, comme ça, sans aucune raison apparente. Il est pourtant crucial de souligner, comme l'ont fait les chercheurs eux-mêmes, que l'algorithme ne peut prédire l'âge exact de décès d'une personne. Voilà. L'âge exact. Voilà ce qui change tout. L'absoluité change tout. Cette précision met en lumière une limite majeure de l'étude. Sa capacité prédictive est intrinsèquement liée à la population étudiée et aux données disponibles. Par exemple, quand vous regardez les prédictions de certaines personnes, vous direz, va se passer tel événement, ainsi de suite. Je sais pas, tu vas te rendre à tel endroit, tu porteras une veste rouge, alors que ta veste, elle sera verte, mais ce sera à peu près la même veste, d'accord? Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Mais l'exactitude et la spécificité d'Allah Azzawajal. L'intérêt principal de cette recherche réside dans son potentiel à faire progresser la science en fournissant de nouvelles pistes pour comprendre les facteurs influençant l'espérance de vie. Néanmoins, l'enthousiasme un peu morbide suscité par ces résultats doit être tempéré par une prise en compte des implications éthiques et sociales. La question de l'utilisation de telles technologies par des acteurs privés comme les assurances soulève de sérieuses préoccupations en matière de confidentialité des données et de discrimination potentielle. Donc, elles sont utilisées pour gagner de l'argent, d'accord? Dans l'ingénierie sociale et la discrimination sociale, mais aussi dans que ce soit des outils pour le dégel. Donc, par exemple, on voit des avancées qui actuellement avec Elon Musk, avec Neuralink par exemple, qui est capable de peut-être dans le futur de soigner de maladies très très graves. Ça peut aussi, voilà, ça peut pousser les gens au doute quand tu sais que Allah Azzawajal c'est Shafi, d'accord? Mais Allah Azzawajal t'explique qu'il fait sortir certaines choses, qu'il fait apparaître certaines choses à travers leurs mains, d'accord? Par exemple, quand Allah Azzawajal parle de la dabba, de la bête, il dit Akhrajna lahum dabbatan min al-ard, nous leur sortirons une bête de terre, d'accord? Une bête, min al-ard, une bête qui provient de la terre parce que c'est les terres rares, ainsi de suite, c'est le composant. En fait, c'est dans l'ordinateur quantique, Wallahu a'lam. Mais Allah Azzawajal dit, Akharajna, c'est nous qui ferons sortir. Alors que les acteurs sur Terre, c'est cette élite, parfois satanique ou pas, en tout cas avec des projets comme ça, qui ne sont pas des projets, qui sont pas des projets religieux. Donc voilà, ça c'était. Je trouve ça un article intéressant. Et il faut faire attention parce que dans le futur, il y aura plein de choses comme ça, plein d'avancées technologiques qui pousseront les gens à douter. D'accord? Imaginez-vous demain, ils vont sur Mars. Allah Azzawajal nous parle de Samawati wal-Ard et la Terre. Tout se passe sur la Terre. Les gens pourront se demander, mais comment ça se fait? Les gens vont vivre sur Mars. Est-ce qu'ils rentrent dans. Est-ce qu'ils font partie de la discursive divine et des commandements ou pas, ça peut être quelque chose qui peut pousser les gens à douter. Donc si vous n'êtes pas préparé psychologiquement à ceci et vous n'avez pas les clés pour comprendre quelles sont les spécificités d'Allah Azzawajal qui sont absolues, d'accord? Par exemple, Allah Azzawajal, c'est le Rahim, c'est le miséricordieux. Il y a des gens qui ont de la miséricorde, qui sont aussi miséricordieux, d'accord? Mais l'absoluité appartient à Allah Azzawajal. C'est comme la puissance, il y a des gens qui sont puissants, mais la puissance totale appartient à Allah Azzawajal. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a personne qui lui est égal, d'accord? Lam yakul lahu kufuwan ahad. Il n'y a personne qui peut l'égaler. Donc j'espère que vous avez bien compris ce que j'ai dit. Après, vous pouvez être d'accord, pas d'accord. Je sais que ce n'est pas un sujet facile. Je n'ai pas vu énormément de personnes aller dans ce sens-là. Wallah alam. En espérant que ça vous a plu, vous pouvez réagir dans les commentaires.
et dites-moi ce que vous en pensez. Et bon jeûne à tous. Salam.